Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mes achats nose. Donc aujourd'hui, j'avais un petit rendez-vous de kiné et du coup, après, j'ai fini par aller chez nose pour voir s'il y avait quelques bonnes affaires à faire. Et je vous avoue que j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de choses et surtout pas mal de chaussures. C'est pour vous dire, j'ai craqué sur 3 paires de chaussures. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo, mais on va commencer par mes achats bouffe entre guillemets et random, et on finira par les chaussures et un vêtement. Allez, c'est donc parti, tout d'abord on j'ai commence. Pris une bombe de sang bon de chez Ambipure à la fleur naissante qui coûtait 1,49€. Qui, regardez, hop, wow. J'ai mis la tête dedans. Donc qui sent super bon. Donc moi ça va être soit une bombe pour les toilettes, soit une bombe pour la maison. Parce que franchement, elle est top et elle sent super bon. Et je la conseille. Ensuite, on va prendre un basique, hein, des pansements. Donc 50 pansements pour 1,49€. Toujours bon à voir. On n'avait pas du tout de pansements depuis qu'on a emménagé. Et il était grand temps qu'on en achète. Et si on part quelque part en sortie et tout, donc il nous faut des pansements. Donc c'est pour ça que j'ai les prix. Ensuite, une palette de maquillage. Bon, j'ai craqué sur une palette de maquillage, mais bon, vu le prix, 99 centimes, c'est de chez Cover Shop. Attendez, je vous montre la palette. Donc, il y a un petit machin comme ça, mais je ne vais pas m'en servir, ce que je déteste. Et elle se présente comme ceci. Donc, il y a un gris foncé. Je vais vous faire les swatchs comme ça, vous allez plus revoir. Voilà. Oh, pas mal pigmenté. Un gris vert. Ah, ils sont bien pigmentés. Un gris, c'est une belle palette. Oh, je regrette pas. Un gris clair et un blanc. Waouh, regardez-moi ça. Vous avez vu? Une touche et une pigmentation, c'est impeccable. Voilà comment elle se présente. Donc le noir, le gris et la luminosité, jure à la palette. Ah, voilà. Voilà. Regardez. Magnifique, franchement il n'y a plus qu'à tester et quand on part quelque part avec des amis ou de la famille et tout, bah écoutez, on met ça dans son sac et c'est impeccable, hein. On n'a pas besoin de grand chose, on peut faire des maquillages de jour comme des maquillages de soirée, donc impeccable à tester. Ah, une brosse à dents, 79 centimes, donc c'est pour moi, la mienne était à changer, donc une rose, hein. Tout simple. Un dentifrice de chez Signal, donc c'est pour blanchir les dents, pour des dents plus blanches et une émail reminéralisée. Ça y est, j'ai réussi. Donc à 1,49€. Comme ça, un dentifrice, hein, quand j'ai vu le prix, puis en ce moment, je suis à fond spécial blancheur. Des petites pinces pour les cheveux de toutes les couleurs, ça m'embête parce que je voulais plus les noirs, mais bon, c'est toujours pratique à 31 centimes. Donc comme ceci. Des lingettes pour bébé. Alors, pourquoi vous allez me dire j'ai acheté des lingettes pour bébé? Non, non, non. Hein, je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas d'enfant. Mais bon, des lingettes, c'est toujours bon à prendre. Donc, déjà, pour enlever ce que j'ai sur la main. Hein, bah, les tester maintenant. Donc, c'était les 60 pour 89 centimes. Et c'est toujours bon à avoir. Donc, c'est avec de l'aloe vera. Wish aloe vera. Donc, c'est avec de l'aloe vera. Donc, voilà. Impeccable, hein. C'est pour enlever les swatchs ou quand on part comme ça, quelque part, imaginons, en vadrouille ou je sais pas, hein, toujours bon d'avoir des lingettes pour bébé. Ils ont pas trop d'odeur, ça m'embête. Bon, après, hein, c'est pas vraiment l'importance, mais c'est toujours un essentiel à avoir et j'en avais plus, donc j'en ai acheté. Des mentos, hey, j'ai trouvé ça, il y a 100 mentos pour 2€. Alors, je sais pas vous, mais moi, je kiffe les mentos. Et surtout ces goûts-là. Attendez, je vais goûter devant vous. On va goûter. Tu vas en goûter un, ma chérie? Non, mon chéri n'a pas envie de goûter. Alors, attendez. On va réussir. T'aimes ça, les mentos? On va en goûter un. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je vais goûter un de mes préférés. Mes préférés, c'est les roses. Moi. Si j'arrive à en choper un. Bon, écoutez, on va. Un peu comme. Le vrai goût des mentos. Donc, ça c'est pour mettre dans la voiture ou dans la maison. Enfin, ils sont bons. Oh, ils sont top. Franchement, ils sont excellents. Et j'ai trouvé
des céréales spécial cra, spécial cra, spécial cra, ça vient de mon avis d'Espagne parce que c'est écrit nuevo. Donc nuevo c'est un nouveau en espagnol. Donc c'est des spécial cra, j'ai payé le paquet 1,99€. Donc ça à base d'amandes, de graines de tournesol, de noisettes, ça a l'air pas mal. Mais écoute, on va goûter. Hein, on va tout goûter ce soir. J'ai pas encore mangé, il est bientôt 20h et je vais avoir la date. On va ouvrir le paquet, on va goûter. Sûrement, je refais super attention à mon alimentation. Parce que je m'étais lâchée et du coup, je refais attention à mon alimentation. Donc j'essaye de privilégier beaucoup le matin un bon petit déjeuner, le midi des féculents avec une viande ou un poisson et des légumes. Et le soir, manger assez léger. Et du coup, manger des graines. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais prendre ça. Soit pour le petit déjeuner, soit si j'ai envie de grignoter dans la journée. Je pense que c'est ça. Je vais te présenter comme ça. On va goûter. Ça, ça va être pour moi. Parce que mon chéri va mettre son affreux la journée. Oh putain. C'est trop bon. Putain, c'est trop bon. Enfin, je vous dis que j'ai payé ça. Il y a deux étiquettes. Il y a un 3,50 et un 99. Je sais pas combien j'ai payé. Oh, j'aurais dû en prendre 3. Ils sont trop bons. Bon, c'est trop bon. Tout ce qui est nourriture random, c'est terminé. On va passer à la partie chaussures et vêtements. Allez, c'est parti, on se suit. Tout d'abord, le seul petit haut que j'ai acheté. Donc, il se présente comme ceci. Attendez, j'essaie de me décaler. Voilà. Il se présente comme ceci. Voilà. Donc, j'ai pris en taille 1. Il était à 3,50€. Le petit t-shirt. Donc, j'ai essayé. Franchement, il fait un beau décolleté bien rond, mais on ne voit pas vos seins. Et il taille vachement un peu large. Mais bon, top pour l'été. Je vois bien ça. J'ai vu un pantalon marron là-bas à 6€ et je me suis tâtée à le prendre parce que je vois bien ça soit avec un petit pantalon marron ou vous voyez un petit peu cet esprit marron et tout là avec des petites chaussures marron ou un petit jean avec une belle petite paire de chaussures marron d'ailleurs que j'ai acheté que je vais vous montrer. Franchement ça fera vachement bien l'affaire. On va continuer avec les chaussures. Donc j'ai acheté 3 paires de chaussures. Je vous avoue que j'ai demandé à mon chéri de heureusement qu'il est là lui. De faire un classement de celle qu'il aime le plus à celle qu'il aime le moins. Donc du coup, je vais vous présenter le classement qu'il m'a montré. Comme ça, pour vous montrer, pour vous, c'est top. Donc, tout d'abord, il y a celle-ci. Des petites baskets. Comme ça, donc avec petit talon, avec un beau petit talon blanc, fleuri. Et celle-là, ils m'ont coûté, attendez, 3,99€. C'est pour ça que j'ai en fait celle-là, je vous avoue que j'ai hésité à les prendre et quand j'ai vu le prix, je me suis dit allez, vas-y, tu sors de l'ordinaire. Franchement, ils font top avec un petit jean, vous voyez, vous savez pas comment vous habiller. Vous mettez un petit jean, un petit débardeur noir ou un petit haut noir, un petit raccoon noir ou un tout petit collier noir et vous mettez ces chaussures-là, un jean brut par contre, je pense. Et là, vous êtes canon quoi. Vous êtes canon, ça peut faire la petite touche à votre tenue qui la réveille, vous voyez, une petite tenue basique. Et en fait, vous mettez ça et ça réveille tout de suite la tenue. Vous avez l'air canon avec celle-ci. Donc, c'est pour ça. Et puis, pour le prix, franchement, je ne regrette pas. Ils sont bien souples. Donc, je ne sais pas comment ça taille, mais en fait, j'ai pris 3 paires de chaussures avec 3 tailles différentes. Hein. Donc, celle-là, je les ai pris en taille 38. Ensuite, on va passer à sa deuxième paire. Tada ! Une petite paire de chaussures à talons. Alors, mais vous allez... En fait, nous, chez nous, où on habite, en fait, notre Mimi l'a fermé. Et en fait, dans mon hôte, il y avait tout un déstockage de Mimes. C'était impressionnant. Il y avait des jupes. Il y avait une jupe. J'ai hésité à la prendre. Vous savez, elle était noire. Mais remplie de petits sequins or. Elle était magnifique, mais il y avait ma taille. Elle était à... je me demandais, je crois qu'elle était à 5... elle était à 15€, ou je sais plus combien. Et ça, avec moins 60%, elle me revenait qu'à 2,50€, la jupe.
Et en fait, je me dis, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Et je vous avoue que j'ai hésité à la prendre, mais je me dis, est-ce que je vais réussir à la mettre en fait, parce que c'est peut-être une jupe qu'on met peut-être plus en soirée. Enfin, je savais pas trop, donc je me suis dit, bah écoute, tu te l'aimes, tu la prends pas. Tu rentres chez toi, et si franchement t'as un doute, bah écoute, tu y retournes demain, et puis, puis voilà, j'y retourne. Je sais, je suis désolée, je fais que toucher mes cheveux, mais je sais pas comment les mettre. Donc comme ça, au pire, j'y retourne demain et tout, quoi. Donc, du coup, un petit zoom sur ces petites paires de chaussures. Donc, de chez Mim, je les ai eues à 7 euros. Oui, oui, oui. Tu as bien entendu, 7 euros en taille 37. Donc, vous voyez, hein, je ne vous mens pas, Mim, hein, vous voyez, il y a même l'étiquette là, Mim. Ouais, donc vous voyez, 7 euros. Hop, 7 euros, Mim, en taille 37. Et franchement, elles sont canons. Et justement, ce que je voulais vous dire, vous mettez un jean brut ou n'importe, un petit jean ou un t-shirt, et vous mettez ce petit haut là, regardez. Vous tenez fait. Et là, regardez, je vais vous montrer comment je suis habillée. Et tout à l'heure, je les ai mis avec ma tenue et mon chéri m'a dit « Waouh, ils font canon !» Donc j'ai un petit haut crop top avec une salopette. Hein, mais en fait, la salopette, je la mets comme ça. Soit vous pouvez la mettre comme ça, mais je trouve que ça me grossit. Donc je la mets comme ça, vous voyez. Hop. Et en fait, avec vos petites chaussures là, ils font canon. Elles font, avec une petite une tenue simple, elles font extra canon et elles sont extra confortables. Par contre, j'ai voulu en prendre en taille 38 parce que je tourne entre le 38 et le 39. Et en fait, le 38, mon pied, il baillait dedans. En fait, vous voyez, il n'était pas maintenu. Et du coup, je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'essaye en taille 37. Et du coup, mon pied était beaucoup mieux tenu là-dedans. Donc, j'ai pris en taille 37. Il y avait trois couleurs. Donc, vous aviez noir, bleu foncé et bordeaux. Qu'est-ce que je vous dis? Marron, camel, en fait. Et je vous avoue que j'ai hésité avec les noirs. Je ne sais pas si j'irai pas racheter les noirs. Mais bon, franchement, ils sont canons. Et franchement, je ne regrette pas de les avoir achetés. Et la chaussure du top 1 est... Tana ! Et oui, celle-ci. Ça fait un bail, les filles, que je cherche. Et les gars, mais les filles. Que je cherche une paire de chaussures comme ça. Mais ça fait très très longtemps. Et en fait, dès que je les mets, peut-être sur mes pieds, soit ça me faisait des gros pieds, soit ça me faisait la kicker, hein. Soit j'avais l'air, soit ça me faisait un pied de grand-mère, ça me faisait trop moche. Et du coup, je les vois. Et en fait, dès que j'envoyais des paires comme ça, je dis, vas-y, essaye-les, Clem. On sait jamais, peut-être qu'ils iront bien et tout, essaye-les. Et du coup, je me dis, depuis longtemps, hein, du coup, je les essaye. Et là, je fais, waouh, ils me font un pied tout fin, ils passent avec tout. Ça peut mettre, vous mettez un short, même une robe, hein, ça se fait beaucoup, une robe avec un petit collant noir avec ça. Bon, on est l'été, mais bon, ça, vous mettez un jean basique, vous voyez, même avec un petit haut et tout, il fait top, top, top. Et là, du coup, je dis, bon, bah, j'avais déjà pris deux paires de chaussures. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je vois le prix, 5,99€. 6 euros la paire, quoi. Franchement, ils sont top. Donc, ils sont, vous voyez, là, il y a des petits fermetures. Donc, vous les ouvrez. Hop. Et hop, hein, pour mettre votre pied à l'intérieur, vous les refermez. Et ils sont en effet croco moitié. Regardez, vous voyez super bien croco piton. Et franchement, ils sont top, top, top. Et pour le prix. Donc en fait, c'est pour ça que celle-là, je ne les ai pas prises en noir. Comme je vous disais, j'hésitais. En fait, j'ai vu celle-là en noir. Donc je me suis dit, bah, écoute, ça fait une paire de petites choses sur noir. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec celle-là, en fait, comme ils sont en genre simili cuir en fait, hein, c'est vrai, du faux cuir quoi. Et ben en fait, vous pouvez les mettre cet été, pour l'été. Des fois, il y a des petits jours, il fait plus frais que d'autres, vous mettez ça. Mais aussi, vous pouvez aussi les mettre au niveau de l'automne. En automne, ils passent aussi crème. Hein. Vous mettez ça en automne et donc, ça voilà passe. Donc voilà pour crème. Mes achats. J'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas trouvé de paire de chaussures comme ça, même en haut, des petites trouvailles, je suis vraiment trop trop content. Et voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!